Répétition générale à 8 mois du mondial. L'équipe de France de rugby va disputer samedi face à l'Écosse son premier match du tournoi des 6 nations à Saint-Denis. Avec pour chaque bleu un même objectif, gagner sa place dans le groupe qui disputera la Coupe du Monde en Angleterre. C'est vrai que s'ils font un bon tournoi des 6 nations, eh bien, ça sera difficile à les déloger. Donc c'est à eux, ils ont leur destin entre leurs mains, à eux de tout faire pour faire un grand tournoi des 6 nations 2015. Gagner sa place, mais gagner tout court pour engranger de la confiance qui manque cruellement aux Bleus. Après une tournée de juin médiocre en Australie, le 15 de France s'est un peu rassuré en novembre, mais il lui reste beaucoup de chemin à faire. Depuis 3 ans, les Français alignent les plus mauvais résultats de leur histoire. Dans le tournoi, avec Saint-André aux commandes, ils n'ont jamais obtenu mieux qu'une 4e place. Tout simplement, les résultats ne sont pas ceux qu'on espérait pour le 15 de France, donc on a vraiment envie de se racheter et envie de faire quelque chose de bien. Les Bleus n'auront pas la partie facile. Année impaire oblige, ils devront se déplacer 3 fois, notamment en Irlande et en Angleterre, leurs principaux concurrents pour la victoire finale. L'Écosse qu'ils accueillent samedi apparaît-elle comme l'adversaire idéal pour se lancer dans la compétition. Les Écossais n'ont plus battu les Français depuis 9 ans, mais l'arrivée du Néo-Zélandais Verne Cotter à leur tête incite toutefois à la prudence. Au mois de novembre, ils ont gagné l'Argentine assez facilement, ils gagnent les Tongiens. Ils ont mis à mal les Néo-Zélandais parce que jusqu'à la 71e minute, ils étaient devant au score. Donc c'est une belle équipe voilà, qui se déplace bien, qui joue bien au rugby. Mais on va nous aussi bien se préparer, on est aussi nous une belle équipe. Pour débuter le tournoi, Saint-André a choisi de titulariser pour la première fois Rory Cocotte, le demi de mêlée d'origine sud-africaine. Et il a décidé de se passer des services du pilier Nicolas Mas au profit du jeune Rabah Slimani. Comme un pari sur l'avenir, un pari qu'il espère payant.